Ils sont jeunes et ils ont compris l'importance de la culture entrepreneuriale et la création de petites et moyennes entreprises. Le premier jour, on a eu un bénéfice de 72 000. Le deuxième jour, en gros, ça faisait 126 000. Au collège Notre-Dame-du-Plateau, on a eu un total de 172 000. On a fait un peu de recherche et à base du soja, on a pu sortir quelque chose voilà, avec des plantes aromatiques pour donner un goût agréable à nos plats. Le Laguna Business Forum, initié par la Jeune Chambre internationale, est essentiel pour inculquer aux jeunes les compétences entrepreneuriales et de leur fournir les informations, les conseils et le soutien financier dont ils ont besoin. L'une des questions que nous abordons au travers de cette quatrième édition, c'est le financement des projets jeunes. Beaucoup de jeunes veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes veulent apporter leur contribution au développement économique de la Côte d'Ivoire, mais ils ont besoin de savoir comment s'orienter, où avoir les financements, ou bien où est-ce qu'ils doivent taper pour avoir vraiment des appuis et des accompagnements possibles. Permettre à nos participants de cerner quelles sont les différentes sources de financement auxquels ils peuvent se référer en cas de projets entrepreneuriaux, qui sont principalement le financement traditionnel, les banques et établissements de crédit. Ponctué de panels et de témoignages, le forum a réuni experts et formateurs. Pour le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, la solution pour juguler le chômage passe par l'entrepreneuriat. Notre action derrière, c'est de financer exactement tous ces jeunes qui nous sollicitent. Et pour ce faire, depuis 2019, nous avons relancé l'opération Agir pour les jeunes. En 2019, c'était déjà un peu plus de 21 000 jeunes pour 11 milliards de francs CFA. Agir 3, c'est aujourd'hui 23 534 jeunes pour un financement de 11 milliards 500 millions. Dans sa mission d'offrir aux jeunes des opportunités de développement en leur donnant la capacité de créer des changements positifs, la Jeune Chambre internationale Abidjan Lagune, avec son forum annuel des affaires dénommé Laguna Business Forum, porte un regard objectif sur l'entrepreneuriat et le financement des projets des jeunes en Côte d'Ivoire.